Face aux difficultés que traversent les sinistrés, principalement ceux de Koundoul, dans la province du Chari-Bagirmi, les autorités de transition par l'entremise du ministère du Jard et de la Solidarité nationale volent au secours des sinistrés, hébergés au centre d'accueil, de rééducation et de réinsertion des enfants de Koundoul. Cette assistance est composée des vivres et non-vivres. Kaïrima François, représentant du ministère du Jard et de la Solidarité nationale, souhaite que ces gestes nobles soit perpétué. Il a par ailleurs dit, l'UNICEF est à pied d'œuvre pour le volet éducation. Le site de Koundoul, il y a un espace qui est dédié aux enfants, confié à l'UNICEF. Espace ami d'enfants. L'UNICEF a proposé aussi arranger, réhabiliter l'école qui est ici au centre pour que le temps que les enfants vont passer ici, il faut qu'ils soient quand même éveillés. Tout en présentant cette gratitude aux plus hautes autorités pour les appuis aux couches vulnérables, le gouverneur de la province du Chari-Bagirmi, Ahmad Abdallah Fadoul, a relevé que ce don permettra de soulager un tant soit peu la souffrance de ces sinistrés. Pour les sinistrés, cet acte traduit bien la volonté des autorités de transition qui sont toujours à l'écoute de la population. Il faut noter qu'au centre d'accueil, de rééducation et de réinsertion des enfants de Koundoul compte environ 4 470 ménages.